Salut, c'est le professeur Titube et aujourd'hui on est à Chambéry à la maison Dolin. Dolin, c'est clairement la marque d'alcool la plus emblématique de toute la Savoie et donc je suis hyper content d'être ici, d'autant plus que cette année c'est assez spécial, on fête le bicentenaire de Dolin et ouais, 200 piges, 1821. Ce qui est cool, c'est que Dolin est resté une entreprise familiale. Donc qui de mieux que Dolin pour commencer cette nouvelle série de vlogs sur le savoir-faire français? Allez, c'est parti! On se retrouve avec monsieur Pierre-Olivier Rousseau. Bonjour. Bonjour. Donc, qui êtes-vous? Présentez-vous. Donc, je suis Pierre-Olivier Rousseau, le président de Dolin, une entreprise familiale. Alors, le terme président m'ennuie un peu, mais voilà, je représente la cinquième génération de la même famille. Donc, la famille, ma belle famille, la famille Sevez, qui est aux commandes de cette belle entreprise depuis maintenant plus de 100 ans, 1915. Et qui est une entreprise familiale depuis 1821. Ouais, donc cette année donc, est une année particulière parce qu'en fait le bicentenaire de la Maison Dolin. Exactement, bicentenaire de la Maison Dolin, c'est assez rare, une entreprise qui a 200 ans. C'est une des plus vieilles entreprises de Savoie. Ouais. La première étant la filature Arpin, AC. Oui, fin du 18e siècle, j'ai exactement. Lu. Exactement. Ouais. Et donc voilà, on est une des plus anciennes, toujours en activité. On espère encore pendant longtemps. J'espère aussi. Bon, du coup, bah, j'avais demandé de parler de Dolin, donc ça vous l'avez fait. Donc, ouais. Donc on va parler de votre produit phare. Le produit phare de Dolin, c'est donc le vermouth de Chambéry. Ouais. Oui. Donc si vous pouvez nous parler un peu plus du vermouth de Chambéry. Alors, le vermouth de Chambéry, c'est effectivement le produit qui est à l'origine de l'entreprise. C'est une histoire, on pourrait en faire des heures, mais ce n'est peut-être pas le but ici, dans cette présentation. C'est une histoire qui est assez fantastique parce qu'elle va mêler le terroir, elle va mêler la géographie, elle va mêler l'histoire. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais peut-être vous lâcher quelques petites vérités. Le vermouth n'est pas originaire d'Italie. Première bombe. Voilà, première bombe. De toute façon, après, ouais, c'est, je me suis bien renseigné dessus et je suis d'accord avec vous. Donc, puisque, je me bats avec ma femme qui a des origines italiennes. Oui, mais il faut savoir que le vermouth est effectivement a vu le jour à Turin. Mais en 1788 ou 9, hein, par Pontemes ou Carpano, je crois que c'est Pontemes plutôt. Et donc, bah, à cette époque-là, l'Italie n'existait pas. Tout à fait. Donc, Turin, tout comme Chambéry, faisait partie du même royaume de Piémont-Sardaigne et faisait surtout partie du même duché, donc du duché de Savoie. D'où l'origine. Très très proche avec nos cousins turinois et non italiens, puisque l'Italie est née, elle, en 1855. Voilà, je vous fais un petit cours d'histoire. Voilà, le vermouth a été créé par le fondateur de Dolin, un monsieur Chavasse, en 1821. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir ses cousins à Turin. Donc à cette époque-là, c'était des apothicaires, des médecins, des gens qui préparaient des boissons à base de plantes pour leurs vertus apéritives, qui vient du latin aperere. On ouvre l'estomac. Je ne savais pas. Avant un bon repas. D'accord. Voilà l'apéritif. Et digestive, donc les liqueurs, les eaux de vie, donc pour la digestion. Donc en fait, on est vraiment sur une partie. Un peu historique, ces gens-là, tout comme nos amis chartreux, bah en fait, ils aidaient les maux du corps de leurs compatriotes. Donc, ce monsieur Chavasse va à Turin, il voit ses collègues qui font un apéritif à base de vin, à base d'absinthe, à base d'alcool et à base de sucre. Il revient chez lui en Savoie et il se dit, ben, moi, je vais faire le vermouth de Chambéry. De Chambéry. Exactement. C'est super, ok.
Voilà l'origine de Dolin, qui est aujourd'hui le fer de lance de l'entreprise, toujours, avec des recettes inchangées. Oui. Mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Avec plaisir. Pouvez-vous après nous parler de la gamme Dolin? Parce que maintenant, il y a le vermouth de Chambéry, mais maintenant, vous avez une gamme incroyable en crème de fruits, en eau de vie, en genépi, qui est d'ailleurs excellent, je l'adore. j'ai fait une vidéo d'ailleurs avec le genépi Dolin. Je l'ai vu, je crois, il n'y a pas longtemps. Genépito. J'avais fait un cocktail, donc un mojito revisité au genépi. Vous faites la gentiane bonale, donc là, que ça aussi un produit fantastique. Quoi, que c'est le patrimoine français. Saint-Laurent-du-Pont. Voilà. Donc Dolin, je dirais, a connu ses heures de gloire, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mmh. Et jusque pendant cette période-là, effectivement, donc la famille Dolin, puisque Chavas a transmis l'entreprise à son gendre, donc un certain Ferdinand Dolin, et ils se sont mis en tête de faire d'autres boissons. Donc il y a effectivement des digestifs à base de plantes, on connaît tous, le plus connu étant le genépi. Il y a eu aussi la fille de Joseph Chavas, donc Marie, épouse Dolin, qui a créé une gamme de sirops de fruits. Ils sont incroyables, Marie Dolin, ils sont plutôt bons. Ouais, ils sont... Et puis après, des crèmes de fruits, des eaux de vie. Mais on va dire que notre vrai savoir-faire dans les Alpes, c'est vraiment la maîtrise des plantes, et notamment des plantes alpines. Voilà, le fruit, on travaille quand même, il faut être honnête, avec des partenaires qui, eux, maîtrisent totalement le fruit. Autant, je dirais, en 1870, Marie Dolin faisait son sirop de fraises avec des fraises, autant aujourd'hui, ce n'est plus notre spécialité de rentrer, de travailler les fruits. Par contre, vous allez voir tout à l'heure, des plantes. Oui, surtout qu'en plus de ça, c'est que j'ai l'impression quand même, vous mettez un point d'honneur pour mettre en avant des plantes toujours des Alpes. Alors, il y a beaucoup de plantes des Alpes, bon, le genépi étant la principale, mais l'absinthe vient d'un peu de toute la région. Et puis, ça, c'est le secret, mais dans les vermouths, dans ce vermouth rouge, il y a une trentaine de plantes. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi le vermouth à Turin, et puis ensuite à Chambéry, et puis après dans d'autres pays, c'est qu'en fait, à l'époque, encore une fois, petit cours historique, mais la route des épices passait par Venise. C'est ça, un grand carrefour. Hein. Venise, Milan, Turin, Chambéry, Lyon. Mmh. Voilà. Donc, tous ces fabricants de boissons, il n'y a pas que les vermouths, il y en a eu d'autres, mais tous ces fabricants avaient à leur disposition vraiment toutes les plantes et les épices possibles. Ouais, c'est ce qui a donné, même vers Milan, des très bons amers et tout. Exactement. C'est la même histoire avec des produits différents, des fois similaires même. Et vous, quel est votre produit préféré de la maison Dolin? Alors, il y a un petit digestif que j'adore qui s'appelle le suédois, qui est une très vieille recette, je ne sais pas si vous connaissez. Vous repartirez avec une bouteille pour déguster. Ouais, c'est gentil. Qui est un amer de type allemand. Donc, amer de type allemand, on va être dans la famille des Jägermeister, par exemple. D'accord. Qui est l'amer le plus connu, l'amer noir de type allemand. Mm-hmm. L'élixir du suédois, c'est un amer plutôt de type allemand, qui a des propriétés vraiment tonique et digestive, et que j'aime beaucoup. Alors, bon, les vermouths, bien entendu, mais... D'accord, ok, bon, hâte de découvrir ça, alors. Est-ce que pour vous, le vermouth français, il a sa place en France? Il est vraiment à sa place en France? Question difficile. question d'un spécialiste. Par exemple, moi, j'ai vu du Dolin aux États-Unis. Oui. Il paraît qu'on en trouve très facilement en Russie, en Asie. Oui. J'ai mon pote Rémi qui était barman à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Tous ses cocktails, c'était avec Dolin. Enfin, oui. Dolin, on dit, là-bas. Oui. Et chez nous, j'ai l'impression, j'ai l'impression que le vermouth français n'est pas assez reconnu, il n'a pas sa place. Ah, c'est un large débat, mais qui est quand même très, très intéressant. On va dire que les Français se sont un petit peu détachés de toutes ces maisons familiales ou de ces boissons de qualité ou boissons historiques pendant de très nombreuses années. On a une célèbre boisson jaune qui a pris un essor incroyable, qui a débuté au moment de la première semaine de congé payé. Oui, tout à fait. Les Français sont allés prendre le soleil, ils ont rencontré la boisson locale, et d'où l'essor d'une célèbre boisson.
Mais toutes ces petites boissons locales, effectivement, sont tombées, je ne vais pas dire en désuétude. Mmh. Il faut quand même savoir qu'à Chambéry, il y avait 8 fabricants de vermouth sur Chambéry. Donc c'était important. Voilà, vous aviez la maison, je ne sais pas si on la voit à la caméra, mais on avait la maison Reynaud, qui n'existe plus. On avait une célèbre fabrique qui, on pense, a inventé le vermouth blanc. Bon, là, il n'est plus blanc, mais la maison Comoz. Donc voilà, on a la maison Routin qui fabrique toujours du vermouth de Chambéry. On n'est plus que deux. Mais il faut quand même savoir qu'auparavant, il y avait 8-9 fabricants de vermouth à Chambéry. D'accord. Donc, pour en revenir un peu à notre débat, à notre question, c'est en train de revenir. Et c'est en train de revenir par le monde des professionnels, par le monde du cocktail, par le monde des amateurs de cocktails qui s'approprient des produits, on va dire, de qualité. Qui, pour moi, c'est très excitant et très intéressant. Et je ne sais pas si votre public, je pense qu'il y a beaucoup de barman et de bartenders, mais ils ont un métier d'avenir, un métier en or. Pour moi, un bon bartender dans un bar à cocktail, dans un bar de qualité, dans un bar d'hôtel, c'est l'équivalent d'un chef étoilé. Voilà. Et aujourd'hui, un chef étoilé, j'imagine, j'en connais quelques-uns, mais un chef étoilé va prendre les meilleurs ingrédients possibles à sa disposition. Bon, on peut dire, on peut l'extrapoler et dire que dans le cocktail, c'est pareil. Donc, on ne va pas dans certaines enseignes pour acheter ses ingrédients pour faire des cocktails. On va essayer de trouver les produits qui ont vraiment du goût, une typicité. Si en plus on peut raconter une histoire, je dirais que... Voilà, donc... Mes abonnés savent que j'adore parler des histoires, des cocktails, des alcools justement, et que j'aime bien travailler avec des produits qui ont une histoire aussi. Donc pour moi, le retour en grâce des vermouths français et des autres boissons régionales de qualité se fera par le monde du bar. Bon, tant mieux alors. Vous ne trouverez pas Dolin en grande distribution pour l'instant. C'est bien. De toute façon, c'était ce que je voulais. J'allais y venir là. J'allais vous dire justement que dans la mixologie, Dolin c'est une référence, mais depuis toujours. Il y a quelques marques de vermouth qui sont très appréciées, mais Dolin est clairement une référence. Et c'est vrai que comme maintenant la mixologie a un public qui s'élargit, je suis quand même assez content quand j'ai prévenu certains abonnés que j'allais venir vous voir. Ils connaissaient déjà. Ah, c'est génial. Et voilà, je suis assez content et j'espère que cette ascension va continuer. Il faut que ce soit une ascension maîtrisée, toujours familiale, une qualité. Voilà, après, le petit parallèle avec la France, vous allez aux États-Unis chez des Américains, on va dire, dans une famille américaine, alors certes qui est un petit peu aisée, mais un Américain va vous faire un Negroni chez lui. Un Français, quand on va faire un barbecue, il y aura du rosé, il y aura une petite boisson jaune, il y aura des bières. Avant qu'il vous demande un Negroni, sauf dans votre milieu d'experts, on n'y est pas encore. Quand ils viennent chez moi, ils demandent des cocktails, mais c'est pas ça. Voilà. Non, chez moi aussi, mais voilà la différence. Aux États-Unis, il va savoir faire un martini, il va savoir faire un Negroni, il va savoir faire un Americano, bien sûr. Il va savoir faire... L'Américain sait faire à peu près 5-6 cocktails. Oh, mais clairement, oui, ça c'est vrai. Le Français normal, je ne suis pas certain. Il a du mal. Un mojito et encore. Ouais. Pas sûr. C'est vrai. Un spritz. Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai que ça marche bien, surtout l'été. Ouais. Mais vous pouvez faire un spritz avec du vermouth. Moi j'aime bien mettre un peu de vermouth blanc là-dedans. Ouais. Ça change. Ouais. Beaucoup moins sucré. Tout à fait. Et votre cocktail préféré? En ce moment. Au vu de la folie du gin, j'aime bien tester des Negroni. Ouais, moi aussi. Des variations de Negroni. Et je trouve que c'est vraiment le cocktail qui met en avant très fortement le vermouth rouge. Avec lequel on peut vraiment, vraiment jouer. Je dirais même le boulevardier, pour moi, il est presque un peu trop pour les connaisseurs. Ah ouais. Moi j'adore. Hein, moi aussi. J'adore. Mais je dirais, quelqu'un qui n'est pas fan complet de cocktail, autant un Negroni vous pouvez l'amener avec vous, autant un boulevardier je trouve c'est un peu compliqué. Mais il y en a tellement d'autres. Ça que je trouve génial, c'est que la palette est incroyable. Eh bien merci beaucoup. Donc là on va.
Là, je vais vous emmener pour une petite visite de l'usine, de la distillerie, qui malheureusement est en travaux, mais je vous invite déjà à venir dans quelques mois pour voir quand tout sera fini. Avec plaisir. Parfait. Travail, notre vrai travail, il est là. Donc on achète des plantes, des épices. Par exemple ça, ben vous allez peut-être la reconnaître. C'est donc de l'écorce. L'orange, écorce d'orange amère. D'accord. Et donc effectivement, le travail de la maison d'Olin, il est de bien doser ce que l'on va mettre en macération. D'accord. Hein? Donc ça, c'est notre vrai travail. Mmh. On pourrait, si on voulait, acheter une base toute faite, mais non, notre savoir-faire et notre recette résident dans ce savant dosage. Le vermouth dry a à peu près 17-18 plantes et épices. Le blanc et le rouge, on est au-delà de 30. Voilà. Hop. Bon. Eh ben, je vous la donne en souvenir. Merci. Ça, c'est une petite orangette. Les toutes petites oranges. D'accord. Qui ont été cueillies vraiment au tout début de leur vie, on va dire, et puis mises à sécher, durcies, et qui aura des propriétés. Voilà. Super. Donc c'est ça le travail, c'était vraiment ça le travail de nos aînés, hein. C'est les proportions, c'est-à-dire que... je devrais pas dire ça, mais n'importe qui pourrait faire un vermouth. Mmh. Je vous donne une liste de plantes. Par contre, le savant dosage, les temps de macération, les assemblages, bah, vous allez mettre des jours, des mois, des semaines. Et vous allez faire un vermouth qui sera à votre goût, il sera bon ou moyennement bon, mais je dirais chacun sa recette, chacun son savoir-faire, voilà. Donc on voit qu'il y a un peu de muscadier, houblon giroflié, c'est-à-dire que c'est des dosages, hein, c'est plantes sèches. Voilà, là on voit, là on sent, et encore celui-là, il a 2 ans, hein, je crois. Hein. Mm-hmm. Donc là, ce sont des cuves en inox. Ouais. Là, on a les nouvelles, là, on a les anciennes. Les anciennes. Ouais, qui datent de moins 50 ans. Et donc ici, on va faire l'assemblage. Attention, vous allez on va faire l'assemblage du vin et des plantes, d'accord, d'accord. Pendant un certain temps, on va les laisser travailler. On va ajouter du sucre et on va ajouter de l'alcool, c'est-à-dire qu'on va le titrer. Mmh. Voilà. La mise en place. Ouais, je me sens vraiment tout petit là. Vermouth dry. Ouais, j'en ai à la maison celui-là. Voilà, c'est une petite production, hein. On fait pas plus de 10 000 bouteilles par jour, donc on travaille 4 jours dans la semaine, donc voilà. Donc là on avance, les bouteilles vont dans un rail. Voilà, là on va être à l'embouteillage. Donc c'est des cadences vraiment plutôt faibles. Hein. Là on avance. Attention au pied. On va peut-être aller filmer ça de l'autre côté, ce sera mieux. Ouais.
Alors on est revenu sur une étiquette vintage. Mmh. Ouais, c'est quand même ce qui plaît, quoi. Le côté. L'autre pièce, quoi, je prends, elle devrait être. Non, mais si, je peux prendre un plan de cul. Voilà, 2 mois après la visite de la maison d'Olin, je vous fais le débrief. Ah, j'avais vraiment hâte de la sortir cette vidéo, je viens de finir le montage. Ah, c'était tellement intéressant, tellement enrichissant, j'espère que ça l'a été pour vous. Moi en tout cas, j'ai vraiment kiffé d'aller dans une maison familiale, rencontrer des personnes passionnées, très intéressantes. En plus, Pierre-Olivier, en plus d'être une personne géniale, a respecté sa promesse. J'ai la bouteille de suédois. Donc, je voulais faire un cocktail dans cette vidéo avec le suédois. On va faire ça dimanche, sinon la vidéo va être trop longue. Donc dimanche, j'en sors une. C'était très dur de ne pas l'ouvrir. Ça fait 2 mois et demi que je l'ai. C'était très dur de ne pas l'ouvrir. C'est... Bon, la gentiane, je l'ai ouverte parce que je suis parti avec d'autres bouteilles, évidemment. Voilà, j'ai été reçu, mais tellement bien reçu, c'est génial. La gentiane Bonal et la Chambérisette que je n'ai pas encore goûtée. Pareil, je vais en faire une vidéo. La Savoie sera à l'honneur sur la chaîne dans pas longtemps. On va faire ça quand ça sera la saison du ski, tiens. C'était vraiment un challenge pour moi de sortir de ma zone de confort, de ma petite cuisine. Donc j'espère vraiment que vous avez kiffé. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il faut le consommer avec modération. Mettez un pouce bleu à la vidéo, c'est important. Comme ça, on verra si je continue sur cette lignée ou si je retourne dans ma cuisine. À dimanche pour la vidéo avec le suédois.